Et bonjour à tous, c'est Mister Gecko. On se retrouve donc aujourd'hui pour la suite de notre série sur Foundation. Et donc c'est maintenant l'épisode 3. Donc là je reprends directement après l'épisode 2, où on était en train d'essayer de construire... Donc là on venait d'apprendre qu'il va y avoir des intempéries, donc il va falloir stocker de la nourriture. Donc je vais essayer de, ici, enlever du bois pour créer des champs de blé. Là, j'ai construit un nouveau grenier pour stocker la nourriture. Et puis voilà. J'ai des stocks de ressources ici. Je ne sais pas ce que c'est que ce rond vert là. J'ai des trucs qui sont affichés, mais je ne sais pas ce que c'est. Pareil, j'ai un rond rouge là-bas. Ça, je dirais que c'est le centre de mon village, mais je suis pas sûr. Je ne sais pas. Je ne sais pas. La prochaine achat, ça sera sûrement cette zone-là. Hein. Ou celle-ci. Ah oui, puis j'ai une quête aussi. Il fallait que je construise le donjon en bois. Le bailli pour un nouveau mandat. Prospecter un gisement de minerai. Ça fait quoi, ça? J'ai aucune idée de ce que ça fait que ce truc. Ils sont où, ces gisements de minerai? En même temps, ils sont hyper loin, quoi. Est-ce qu'il y en aurait des plus près? Ceux-là, c'est les plus près, je dirais. Celui-là. Allez, on va essayer. Je sais pas ce que ça fait, ça, on verra. On verra bien. On verra bien. Donc. Là, j'avais fini de construire mon nouveau manoir. Et du coup, je voulais enlever la grande salle d'ici. Le bureau du bailli, bah, ça peut rester là-bas. Je voulais justement mettre la grande salle ici et une nouvelle trésorerie. Nouvelle trésorerie, voilà. Comme ça j'augmente un peu mon stock d'or. Et il faudra que je construise mon donjon en bois. Mais pour le moment, on se focus sur la nourriture. Il faut également que je puisse stocker, donc c'est pour ça que j'ai fait un autre grenier. Pour pouvoir stocker des baies aussi. Que j'en produis beaucoup trop, j'ai l'impression, des baies aussi. Bah, pas tant que ça, je pense. J'ai combien de stock? J'ai 100 ici. Ah, ça y est, le bois, ça remonte. Tac, tac, tac. Ok, là, j'ai que du bois et des planches. Là, j'ai un stock de bois vide. Je vais peut-être pouvoir me refaire un stock. Par ici, d'ailleurs. C'est le mieux, je pense, dans cette zone. D'ailleurs, je vais le construire tout de suite, comme ça, ce sera fait. Un entrepôt de ressources qu'on va construire ici. Hop, voilà. Ça a pas besoin d'eau, tous ces trucs-là, non? Non. Peut-être le... Peut-être ça. Camp de bûcheron, entrepôt de ressources. C'est où le... C'est celui-là là, qui replante la camp forestier. Non, pas besoin d'eau. Très bien. Ah oui, ça va avoir besoin d'eau par contre. Comment c'est la construction? J'avais oublié de faire ça. Ah, c'est pour ça que c'était rouge. Et là par contre, le vert, je ne sais pas ce que c'est. L'église, on pourrait peut-être l'améliorer aussi. Non. Qu'est-ce que je peux construire? Pas grand-chose. Pierre tombale. Ah ouais, je pourrais faire un petit cimetière là derrière. Ce serait rigolo. Avec un petit mur en pierre là. Touk, 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 touk. On va garder cette idée en tête. Donc. Tiens, ça, j'ai pas commencé la construction de tout ça. Bravo. Donc là, je vends. Des baies, les baies je peux les vendre aussi. Hop. Clac. Ici je vais pouvoir stocker de nouveau des baies, du pain et du pain. Et on verra après ce qu'on stocke de plus.
Parce que la nourriture, ça y va, hein. J'arrive à produire bien bien du pain. C'est cool. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut vendre dans cet étal de marchandises? Des vêtements. Ah, d'accord. Mais je n'ai pas de production de vêtements, en fait. C'est pas mal déjà comme... Alors attendez, tac 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 tac, sans emploi, sans emploi, sans emploi. Il me faut des transporteurs. Ah, ils ont retrouvé des emplois, les autres, c'est bon. Teneur de marché. Bah, marchandises, j'ai pas besoin du coup. Lui, oui. Il va me falloir deux bûcherons et au moins un transporteur pour le. Bah, ça. Il était où? Il n'y a pas même un endroit où il n'y avait qu'un transporteur? Dans un grenier? Non, c'est bon. On va rajouter un transporteur là. Voili voilou. Donc, promotion disponible. Je suis à combien? 500. Alors, eux, on va tous les promouvoir. Et là, ça commence à faire beaucoup. Donc, on va promouvoir les plus haut niveau. Ceux qui sont niveau 4. Ou 5, tiens. J'ai plus de sous après, voilà. Voilà. Donc là normalement j'ai mes trois marchés qui vendent des baies, du pain et des baies. Jusque là tout va bien. J'ai également mon commerce qui doit vendre mes baies au-delà de 150. Ouais. Je pourrais vendre mon pain aussi au-delà de... Non, le pain, je vais le garder. Je pense que c'est pas mal de garder du pain. Je vends le bois. Non, je vais peut-être arrêter de vendre le bois. Je vais peut-être arrêter de vendre le bois. Là, j'ai un stock de bois. Alors, attendez. Hop, on va mettre pause. Là, mon entrepôt, il va stocker du bois, des planches. Des planches, il stocke quoi? Du bois, du bois. Ah ouais, la pierre, c'est plein. Eh bien, toi, tu vas stocker de la pierre et de la pierre taillée. Voilà. Parce que je suis archi blindé. Ok, donc j'ai des maisons qui se modernisent, c'est bien. C'est très très bien. C'est très très bien. Alors là maintenant je devrais avoir du blé qui augmente, c'est très bien pour faire de la farine, ça c'est parfait. Là j'ai très peu de farine. Donc ça veut dire que je produis pas assez de farine. Donc il va falloir que je refasse des champs. Et par conséquent, j'ai l'impression qu'en fait j'ai pas besoin d'avoir tant de que ça. Attendez, là j'ai personne là. Est-ce que j'ai des villageois disponibles au moins? Je pense pas. Si. Hop. Allez, ils vont couper du bois. Non, ça faut que j'y garde en vue. Ok, je vais faire. Je pense que je vais agrandir mes champs pour mes deux trucs. C'est pour ça qu'après il faudra que j'achète ça. Je vais acheter ça la prochaine fois. Je vais bouffer ce bois aussi. Et on va être pas mal. Qu'est-ce que je voulais faire? Je ne sais plus. J'ai l'impression que j'y manque encore des constructeurs. Hein. Bon, je construis pas non plus des tonnes de trucs, mais... Je pense que je manque un peu de constructeurs. Sinon c'est tout plein partout là mes métiers, non? Ouais. C'est tout plein partout sauf là où c'est rouge quoi. Du coup. Du coup. Et bah du coup on va faire le... Un moine s'approche du village.
C'est quoi ça? Palissade. Grand mur de pierre. C'est rigolo ça. Si je mets pause, je suis en pause là. Oh, excellent. Ok, et une palissade, ça fait quoi? Ah oui, ça fait pire que Moyen-Âge, ça. Ah, c'est rigolo tout ça. Porte en bois, cool. Ok, des arbres. Bon, c'est le décoratif, ça on s'en fout. Le pont, j'ai toujours pas compris comment ça marchait. Hein. Pourquoi ça tourne pas? C'est quoi ça? Donjon en bois? Nope. Mon donjon en bois, il va être par là. Oh, remarque, pourquoi pas ici? Non, ce sera trop près de mes trucs. Je ferai. Après, je pense que je ferai un mur qui protégera. Je sais pas si je ferai un mur, on verra. Peut-être autour de mon donjon et de quelques habitations qui seront les privilégiées. Alors, on a dit qu'il fallait construire un donjon en bois qu'on n'a toujours pas construit. Hop, donc on va le mettre par là. Ouais, si on peut le mettre près du machin, on s'en fout. Module principal. Toiture. Bah allez, vas-y, on va le mettre par là. J'ai un peu peur qu'une fois que je le construis, je vais me taper des trucs militaires et tout. Et qu'il va falloir que je recrute des gens. On verra. On va le mettre par là, ça. Va pas le mettre trop haut, ça passera pas très beau. Ok. Une porte A, porte C. Ça, c'est stylé, ça. J'aime beaucoup ça, moi. Ça, c'est trop simple. Ça coûte aussi cher en plus, alors. Autant prendre une porte comme ça. Je peux pas la mettre de ce côté, par contre. C'est soit de ce côté. Bon, allez, vas-y, va pour ici. Ok. Ensuite, toiture, soit ça, soit ça. Ça coûte le même prix. Celle-là est quand même plus jolie. Ok. Du tissu, j'en ai pas. Je commence à avoir pas mal de choses qui demandent du tissu. Du coup, ouais, même ça, je peux pas le construire. Une cheminée, une extension. Extension C. Les extensions, on peut pas les mettre en l'air là. Petite extension, extension D. Extension B. Ça, on va le mettre par là. Pouf. Par là, comme ça, et ça, on va mettre là, là. Voilà. Une extension en pierre. C'est ça que j'aurais dû mettre sur le côté là plutôt que ça. Extension en pierre. C'est bizarre ça, mis comme ça. Extension en pierre. Monter. Ok, je peux y mettre un toit dessus. Non. Sur l'extension en bois, je pouvais mettre un toit ou pas? Non plus. Une cheminée. Vas-y, la cheminée. La cheminée. Bon, bah, mon donjon est classe. Pour le moment. Combien il me coûte là? 164 planches. Putain. Quelle horreur. Deux outils et de la pierre. Allez, vas-y. Ça se fait. Ça se fait. Ça se fait easy. Donc, il me faut des transporteurs. Pour le moment, j'ai personne de dispo. Ouais, parce que là, eux, ils s'ennuient, là, ils ont pas assez de champs, ils ont plus de champs là, ils ont plus rien à faire. Eux là. Et oui. Elle finit ce qu'elle avait à faire et elle s'ennuie. Va falloir faire un puits par là. Construire.
Un puits. Là. Plutôt par là. Là, comme ça, clac. Hop. Un moine requiert votre audience. Des planches. Oh non, je garde tout. J'ai besoin de planches. J'ai besoin de planches. Donc, on en est où là? Monseigneur, comme prévu, le ciel nous tombe sur la tête. J'espère que nous avons réuni assez de provisions pour survivre à cette espère, à cette épreuve. Les récoltes de blé sont diminuées de 50%. Les récoltes de poissons sont augmentées de 20%. Comment on récolte du poisson? Comment est-ce qu'on récolte du poisson? Il faudrait que je fasse du tissu. Voilà. Une bergerie. Allez, vas-y. Construisons une bergerie. Par ici, là, hein, c'est pas mal. Où est-ce que j'y garde pour faire des habitations, là aussi? Non, je m'étendrai par là, là. Clac, clac, clac. Ouais. Allez, une bergerie. Fais voir à quoi ça ressemble, la bergerie. On va la faire comme ça. Ouais, comme ça. J'aime bien. Hop, commencer la construction. Ok. Par contre, il va me falloir du peuple, hein. Ferme de blé. Pourquoi j'en ai un de moins là? Je ne sais pas. J'ai des gens qui partent des fois de mon village, tu penses? Oh, lui, il est pas content du tout. David. Ah, il lui manque une église. Mais il est où lui? C'est où sa maison? Bah, c'est-à-dire qu'il faut faire plusieurs églises? C'est quoi ce bazar? Ils sont pas contents, hein, au niveau de service église, hein? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Comment ça se fait? J'ai une église pourtant. J'ai mon église qui peut sonner une cloche. Fréquence de la sonnerie hebdomadaire. Quotidien, allez, vas-y. Type de cloche, éclairage. Son de cloche, machin, je m'en fous. Nombre de coups, 6. Tempo, on s'en bat les steaks. Influence des fidèles. Petite église rustique. Foi, mélodie du clocher, édité. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Splendeur, mais je suis déjà pas mal en splendeur là, non? 10,5. C'était quoi ça? Qu'est-ce que ces trucs là? Qu'est-ce que ces zones? C'est le cœur de... Vous pouvez pas l'abandonner. Votre territoire, cliquez pour l'abandonner. Mais je ne veux pas l'abandonner. Pourquoi ça me... Je ne sais pas. Est-ce que j'ai ça d'ouvert? Ah oui, je dois avoir ça d'ouvert quelque part. Église rustique. Je ne comprends pas. J'ai bien une église pourtant. Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'un office? Comment ça marche? Ou d'une autre église peut-être? Peut-être que l'église elle a une influence. Ah oui, effectivement, il faudrait en refaire une par là. Faut refaire 12 églises en fait. Les autres qui sont pas contents, c'est pareil. Là, il y en a un qui est pas content. Il n'a pas d'église, il habite où? Ah, il habite à côté de l'église, lui, il se fout de ma gueule. Pourquoi il est pas content du service de l'église? Je ne sais pas. Ça fait quoi ça, le bailli, du coup? Aucune idée.
Parce qu'en plus j'ai des points de ça, mais je peux même pas les dépenser. Ah tiens, j'ai débloqué des trucs là. Une haie, une cabane de pêcheur. Cabane de pêcheur! Construction, ce truc de sculpture, une haie, allez hop. Alors. Donc je peux me faire une cabane de pêcheur maintenant. Cabane de pêcheur. Yes! Cette partie du bâtiment doit être dans l'eau. Position invalide. Ah, comme ça. Ok. Bah, disons par ici. Clac. Conseil construction. Ok. Les planches, ça a diminué. Mais c'est normal, j'utilise beaucoup de planches, je sais plus où. C'est quoi ça? Pont en bois. Pourquoi j'ai un pont en bois là? N'importe quoi. Et parce que eux, ils m'utilisent beaucoup de planches là, du coup, ici. Ok. Donc là, je produis moins de tout ça. Par contre, les poissons vont me produire plus. Ah oui, il va me faire un stock de poissons, du coup. C'est là-dedans qu'on stocke du poisson aussi. Oui. Voilà, le pain. Le pain, je suis. Je suis à fond. Je vais me construire un autre grenier par là pour stocker le. J'ai des gens qui partent de mon village. Non, j'ai perdu des. Des transporteurs là. Un berger. J'ai un bâtisseur de moins aussi là. Je pense que j'ai des gens qui partent de mon village. Bâtisseur. Je vais me faire un berger. Ceux qui sont pas contents, je comprends pas. Quand même. Faut que je refasse une église. Je n'ai pas pu avoir de recensement. C'est quoi ça, recensement? Quoi? C'est quoi le recensement? J'avais pas vu que c'était marqué là. Je n'ai pas pu avoir de. Ah non, récemment. Pour là, je suis fatigué. Je n'ai pas pu avoir de église récemment. Ok. Pareil, pareil. Pareil. Ok, donc il y a peut-être plus de place dans mon église si ça se trouve. C'est peut-être ça, j'en sais rien. Général. Ah oui, affluence de fidèles, 40 sur 40. Effectivement. Effectivement, donc cette église est pleine. Donc, bah. On va en faire une autre. Hein. Parce que je te dis, on va en faire une deuxième. C'est pour ça. C'est là l'église. Hein. Église rustique. On va en faire une autre par là, là. Là, ce serait pas mal, là. C'est un peu centré aussi. Ça fait un peu deux églises l'une à côté de l'autre, quoi, quand même. Hein. Je peux dire, mais. Je peux pas l'agrandir sinon, elle. Éditer. Extension de pierre. Ça fait un petit peu chelou, quoi, pour une église. Elle a bien sa forme d'église, quoi. Je veux dire. Ça va être chaud de l'agrandir maintenant, quoi. Comme ça, quoi. Ouais. Ça serait pas mal. Après tout, on s'en fout. Je peux pas le changer, le clocher, l'agrandir un petit peu. Ça fait bizarre, là, du coup. On va faire un truc symétrique. Moi j'aime bien les trucs symétriques. Hop. Mince.
Tac. C'est bon. Ok. Donc là, on a agrandi notre église. Faut de la pierre, des outils. Ok, c'est bon. Bam. J'ai ce qu'il faut. Très bien. On va agrandir notre église. Peut-être qu'après on la démolira complètement pour construire une église plus grosse. Je ne sais pas, ou peut-être qu'on fera une autre église ailleurs. C'est vrai que ça fait bizarre un peu. Alors, ah, il manque toujours de blé là, hein. C'est un truc de fou. Hein. Farine 3. Bon, en même temps, le pain, franchement, c'est pas comme si j'en avais besoin. Je vais même commercer, je vais même le vendre, je crois, tu vois. J'en suis au point où je vais le vendre. Va dire au-delà de 500. Au-delà de 500, je vais le vendre. Parce que, de toute façon, je vais pouvoir en stocker beaucoup plus. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, là, j'ai eu des nouveaux arrivants. Je vais ajouter un nouveau fermier. Ah, j'ai pas de pêcheur, mince. Eh oui. J'ai ma cabane de pêche, mais je n'ai pas de pêcheur. C'est pas, on va attendre. Alors, la bergerie. Créer un mouton. Créer un mouton? LOL. Je peux créer des moutons. Comme ça. Enlevez-en un, s'il vous plaît. Ça sert à quoi? Il produit de la laine quand même? Je la stocke où la laine? Ici, dans un truc comme ça ou pas? Oui, ah oui, donc il me faut un stock encore. Il me faut un nouveau stock. Il me faut un nouveau stock. Entrepôt. Non. Entrepôt de ressources. Là. Tac, comme ça. Ok, un nouvel entrepôt de ressources. Quatre nouveaux villageois sont arrivés, cool. Donc. Ah oui, j'ai dit que là il me fallait un truc pour stocker le poisson aussi. Et oui, après je vais me faire d'autres trucs de pêche sûrement. Donc on peut se permettre de construire un autre grenier. Oh là, qu'est-ce qui s'est passé là? Très bizarre ça. On peut se permettre de construire un grenier, genre ici. Ah non, ça va me gêner. Ouais, pourquoi pas? Comme ça. Clac. Hop. Je ferai d'autres cabanes de pêche à côté. Voilà. Ok, donc maintenant mes villageois ils doivent être contents là. Ah oui, ça descend. Ouais, mais toi tu vas pouvoir y retourner bientôt. Voilà. Donc là maintenant on est à combien? 80. On va voir jusqu'à combien il monte. On va le suivre un petit peu. Ok, donc là on peut signer un pêcheur. Église rustique. Ah, donc là c'est terminé. C'est tout fini. Je pourrais même avoir deux clochers si je voudrais. C'est pas mal comme église, c'est rigolo, hein, c'est stylé. En vrai. Ok, très bien. Ok, il y a encore du monde qui s'amène chez moi, c'est cool. Donc là je suis à 55 sur 80, très bien. Allez, des transporteurs. Marchandises, non pour le moment. Ah, le mouton, trop rigolo. Vas-y, moi je. Allez, n'en abusez pas. Ok. Ah oui. Toi. Voilà le travail, non. Est-ce qu'on peut les réassigner?
Si là je fais clac sans emploi plus, voilà. Là j'en prends un, je fais clac et je fais clac. Hop, hop. Hop. Les planches, je crois que je suis limité un peu, non? 74 sur 80, 75, 76, 77. Oh, c'est juste, hein? C'est juste, juste. La moindre requiert votre audience. Qu'est-ce qu'il veut, lui, des planches? Mais non, je les garde, mes planches. J'en ai besoin. Oh, le bois, je suis pas mal. Je suis pas mal en bois. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. J'ai du monde là qui est arrivé, du coup, un seul. Je vais quand même construire une scierie en plus. C'était si gros que ça la scierie? Ah ouais, punaise, c'était gros. Je vais construire une scierie supplémentaire ici. Boum. Commencer la construction. Et là, j'ai dit qu'on allait stocker de la laine. Des planches, parce que du coup on a fait une nouvelle scierie et de la laine pour le moment. Hop. Voilà. Donc là lui il commence à stocker de la laine. Très bien. Je suppose que ça se débrouille tout seul, j'ai pas besoin de m'amuser à créer des moutons. On est d'accord. J'espère. Toi, tu vas stocker du poisson. À fond. Vraiment que du poisson, toi. Que du poisson. Bon, là-bas, ils en sont où, les petits bûcherons, là? Les petits bûcherons, là. Allez, hop, vous m'enlevez tout ce bois, là. Je veux plus de bois ici, là. Ah, mais c'est pas chez moi encore. Merde. Bon, vous allez m'enlever tout ce bois, déjà. Hop. Clac. Toi. On va agrandir tes champs là. Voilà. Ici. Et toi, idem. Voilà. Et on va s'arrêter là parce que ça fait 30 minutes déjà que je tourne. J'adore ce jeu, j'aime trop trop les jeux de gestion comme ça où on voit pas le temps passer. Les city, enfin les jeux de gestion City Builder, j'adore ça. Je me régale, je m'éclate. Alors là, qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, c'est pas encore tout à fait terminé. Bon, en même temps, ça coûtait cher. Dortoir, trésorerie. Ah, une autre trésorerie, une grande salle. Deux voyageurs sont passés par là. Ok, donc là je peux à nouveau faire des trucs. Un dortoir, ça fait quoi? Trésorerie. Bureau du bailli. Dortoir. Ça fait quoi le dortoir? Autoriser l'augmentation, la capacité d'habitation, densité. Ah ouais, donc il y a des gens qui peuvent venir dormir là-dedans quoi. Ok. J'arrive jamais à m'arrêter ces jeux-là, c'est horrible. Ok. Il y a tout le temps quelque chose à faire. On s'ennuie jamais. Le bois, ça, je suis très très bien en bois. Ok, je commence à bien aimer mon village. Allez, donc sur ce, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de Foundation. Allez, salut à tous, ciao!